Ce samedi 8 juillet 2023, Audrey Crespo Mara célèbre ses 46 ans. Avec Thierry Ardisson, elle forme l'un des couples les plus solides du PAF. Au micro de RFM en 2021, la principale intéressée est revenue sur leur mariage. Assez discrète quant à sa vie privée, la journaliste a pourtant accepté d'évoquer également Aliou Mara, le père de ses deux fils qu'elle a quitté pour vivre pleinement son histoire d'amour avec l'homme en noir. Rare confidence. Une journée qui s'annonce riche en émotions pour Audrey Crespo Mara. Et pour cause, ce samedi 8 juillet 2023, l'animatrice emblématique de 7 à 8 souffle sa 46e bougie. Un bel événement qu'elle célébrera à coup sûr entourée des siens. Nul doute que son mari Thierry Ardisson mettra les petits plats dans les grands pour l'émerveiller une nouvelle fois. Le célèbre présentateur et Audrey Crespo Mara ne sont pas peu fiers de leur belle histoire. Voilà plus d'une décennie que le duo est inséparable et semble s'aimer comme au premier jour. Au micro de RFM en 2021, comme la précise Paris Match, Audrey Crespo Mara a accepté de revenir sur leur coup de foudre totalement inespéré. Mais au moment de leur rencontre, l'un comme l'autre n'était pas célibataire, hélas. Comme tous les couples qui ont des enfants, quand la vie nous amène à divorcer, ce n'est pas fait avec gaieté de cœur, a-t-elle confié dans l'émission de Bernard Montiel. Et de renchérir si esticon a peur, moi comme toutes les mamans du monde, de détruire ses enfants. On réfléchit, on veut protéger ses enfants à tout prix. À l'époque, l'homme en noir était encore marié à Béatrice Loustalan, mère de ses trois enfants. De son côté, la journaliste était en couple avec Aliou Mara, avec qui elle a deux fils Sekou et Lamine. Voulant vivre pleinement leur relation, Thierry Ardisson et Audrey Crespo Mara ont donc tous deux quitté leurs conjoints respectifs. En même temps, on ne pouvait plus vivre l'un sans l'autre et ça fait 11 ans, donc on ne s'est pas trompé, a ajouté l'heureuse maman de deux enfants. Je pense qu'on a fait les bons choix et je m'entends divinement bien avec le père de mes enfants, donc tout va bien. Tout va pour le mieux. Si esti en 2014 au cours d'une somptueuse cérémonie orchestrée à la mairie du 1er arrondissement de Paris qu'Audrey Crespo Mara et Thierry Ardisson se sont dit oui pour la vie. Aujourd'hui encore, aucun orage n'a terni leur union. Leur secret? Vivre séparément pour mieux se retrouver. Quand on se voit, si esti choisi, et si esti une fête. Le fait de se marcher sur les pieds dans la salle de bain le matin ne m'a jamais semblé très constructif. A analysé l'acolyte de Laurent Baffy pour Femme Actuelle en juin dernier. Avec philosophie et humour, il a aussi glissé, alors, on dépense des fortunes en taxi. J'ai même acheté un studio dans l'immeuble où elle habite. Je suis le seul mec qui achète une garçonnière dans l'immeuble de sa femme. La recette miracle pour un mariage réussi ?